Good morgen, allez, Iden, et tu seras aujourd'hui le Nishmat, mon Rabbi Shmuel ben Shlomo Zalman, Nissim ben Nahouda, Sarah Batran Rachel, Shlomo ben Esther, Shlomo Nissim ben Sarah. Si vous souhaitez vous aider d'une prochaine étude de Mishnah, contactez un 5 minutes éternel. Nous étudions Maserhat Menachot, Perik Vav, Mishnah Dalet. Kol Menachot Anasot Bikli, Teunot Petita, Minchat Israël, Kofel Echad, Lishnaim, Ushnaim Larba, Umavdil, Minchat Kohanim, Kofel Echad Lishnaim, Ushnaim Larba, Ve'en Umavdil. מנחת כהן המשיח לא היה מחפלה. רבי שמעון אומר מנחת כהנים או מנחת כהן משיח אין בהם פתיתה, מפני שאין בהם קמיצה. וכל שאין בהם קמיצה, אין בהם פתיתה, וכולם כזיתים. Alors là, on va aborder dans cette Mishnah comment on faisait concrètement la mincha. Il y a un problème technique, c'est que si je vous explique la Mishnah en suivant la... L'ordre chronologique présenté par le Mishnah, vous n'allez rien comprendre. Donc ce que je vais faire tout de suite, je vous explique très rapidement comment ça se présente. On va parler maintenant des trois types de minachot que l'on fait cuire avant de faire la kmitza, avant qu'on prélève l'échantillon. Qui sont en fait minchat mahvat et machreshet et minchat mahafé. Problème technique entre parenthèses. La Mishnah nous a dit que le minachot anasot bekli, toutes les minachot qui sont faites dans un ustensile. Dans la Mishnah précédente, on précisait que c'est une expression pour définir minchat machreshet et mahavat, que l'on fait dans une poêle, profonde ou simple ou plate, mais en fait, en réalité, il faut inclure même la minchat mahafé, mais on parlait même la minchat mahafé que l'on fait, donc lorsqu'on va former les petits pains, avant, et que l'on veut faire cuire au four. D'accord? Donc en fait, on revient pour le moment. On parle des trois types de minchat que l'on fait cuire avant, poêle profonde, poêle plate, la crêpière, et au four. Toutes ces minchat-là, une fois que je les ressors, alors je vais avoir, par exemple, 10 pains, il va falloir que je vais les couper en petits morceaux. On va les couper, on va prendre par exemple les 10 pains, en chaque pain on va le couper en deux, et de nouveau les couper une deuxième fois en deux. Ensuite, on va récupérer des morceaux qui ont une certaine taille. Selon le Barthénora, on continue à les plier chaque morceau, donc on les découpe, on les sépare, c'est ce qu'on va appeler dans le Mishnah Mavdil, on va les séparer. Donc on a, pour le moment, chaque halal nous a donné 4 petits morceaux. Il y avait 10 ralotes, on se retrouve avec 40 petits bouts. Ensuite, selon le Barthénora, chaque petit bout, on va le prendre, on va le plier en deux, et encore une fois en deux, mais sans le découper. Et selon le Tiferet Israël, qui suit le Gaon de Vilna, et qui en fait s'est prouvé que le Barthénora il va selon le Rambam, en fait il y a un autre avis dans les Rishonim qui explique autrement, qui explique que non. Une fois que tu as plié en 4, tu continues encore à plier, jusqu'à ce que tu vas te retrouver avec des morceaux de... un kazaït, un volume d'une olive. Pas moins, mais pas plus non plus. Il faut que tu vas continuer à couper, et à couper, et à couper, jusqu'à que finalement, tu vas te retrouver avec des chalotes qui vont faire des morceaux d'un volume de un kazaït chacun. Après, le Kohen, il va prendre de ça, il va mettre sa main dedans, il va remplir son comets, sa pincée, et puis il va le mettre dans le sourcil, il va monter sur le busbar pour le faire brûler. D'accord? Le problème qui se passe dans la Mishnah, c'est que si vous regardez tout de suite les deux derniers mots de la Mishnah, « Vekulan kazaitim », tous sont d'un volume d'un kazaït. Comme je vous ai dit, selon le Gaon et même le Rambam, ça va rester ensemble. C'est la même chose. Ça se rapporte ça sur le début de la Mishnah, comme si il y a eu un grand trou au milieu parce qu'on est rentré dans une discussion qui nous a fait rentrer dans un autre truc. Et puis après, on revient et on complète ce qui a été dit. D'accord? Maintenant, on peut lire et traduire la Mishnah, mais ça t'est jamais directement. Quand la menachot anasot bikli, toutes les menachot, toutes les oblations que l'on fait dans un ustensile, à inclure minchat, malchéchet, machavat, que l'on fait cuire dans les poils, et même la minchat mafé, comme c'est dit dans le Barthénora. Teunot petita. Il va falloir en faire une petita. Petita, patot, ota, pitim, la Torah nous a dit. Les fatot, je ne sais pas ce qu'on retrouve ce mot ailleurs, un mot pat, pat en hébreu, c'est un pain. Maintenant, les fatet, les ftot, je ne sais pas comment ça se dit, patot, ota, pitim, alors ça veut dire découpler en petits morceaux. Donc il va falloir la petita. Minchat Israël, alors maintenant, ça va se décomposer si c'est une minchat d'Israël ou minchat de Kohen. Tout d'abord, je commence avec Minchat Israël parce que c'est facile. Minchat Israël, Kofel Echad Lishnaim. Il va le plier un en deux, ou Shnaim Larba, et les deux en quatre. Si c'est rond comme une pita à la fin, alors c'est très facile à faire. Ou Mavdil, après il va séparer. D'accord? Il ne va pas juste la laisser plier, il va la séparer. D'accord. Ensuite, ou Minchat Kohanim. Maintenant, une minchat kohanim, qu'est-ce qui se passe avec la minchat kohanim? On a déjà appris plusieurs fois. La mincha du Kohen,
elle n'est pas consommée par les Kohanim. Elle est entièrement offerte au Mizbeach. On ne va pas lui prélever le kometz. La mincha de Kohen, lorsqu'un Kohen va vouloir faire une mincha, il va la faire cuire comme l'Israël. Mais après, il prend le tout et le fait monter entièrement sur le Mizbeach pour le brûler. Il ne va pas donner juste un petit représentant, un petit échantillon, puis après ils vont récupérer le reste et vont manger avec les Kohanim. Ça, c'est pas ça comme ça. De ce fait, la Mishnah me dit mincha de Kohanim, kofel echad shneim ushneim l'arba. Tu plies un en deux et deux en quatre. Ve'eno mavdil. Mais il ne va pas le séparer, il va le laisser tel quel plié. Ok ? Minchat Kohen Mashiach. Maintenant, on passe à un autre type de mincha, qui est la mincha du Kohen Mashiach. Le Kohen Gadol, il doit apporter tous les jours sa mincha, ce qu'on appelle la mincha Chavitin. Chavite Kohen Gadol. Eh bien, lui, Lohaya Mechapla. Littéralement, il ne la pliait pas. Donc, on pourrait comprendre, pas du tout. Mais le Barthénorien nous dit, vraiment pas du tout, pas du tout. En réalité, il faut que tu la plies en deux, mais pas en quatre. Parce que la Torah l'a appelée Minchat Pitim, mais pas Patotota Pitim. Elle n'a pas insisté à faire plusieurs petits tas, des petits morceaux. Des petits tas. Ah, c'est mignon, ça. Donc voilà, la Torah n'a pas insisté de faire. Elle a juste un petit peu. Pitim, des morceaux, mais pas plus. Donc on plie une seule fois. Rabbi Shimon Omer, maintenant Rabbi Shimon Omer, il va discuter sur tous les Kohanim et le Kohen Mashiach. Minchat Kohanim ou Minchat Kohen Mashiach, en baem petita. Qu'il s'agisse d'une mincha de Kohanim ou du sel du Kohen Mashiach, il n'y a pas lieu du tout de la plier. Tu la laisses telle qu'elle, tu la prends telle qu'elle, tu la jettes au feu. Pourquoi ? Mi penei she'en bahem kmitza, car il n'y a pas dans ces menachot de kmitza. Ouais, comme ce qu'on a dit, tu ne vas pas prélever l'échantillon que tu vas faire monter sur le misbéach. Et d'où la règle ? Vechol she'en bahem kmitza, en bahem petita. Toute mincha de laquelle tu ne dois pas prélever l'échantillon à faire monter sur le misbéach, il n'y a pas de nécessité de lui faire la petite tête de le couper en petits morceaux. Quelque part, d'après Rabbi Shimon, ce qu'on coupe en petits morceaux, c'est pour pouvoir ensuite faciliter l'échantillon qu'on va prélever, pour que le Kohen il va prendre un morceau bien défini, pour ne pas tremper ses mains dans un pain et arracher à la sauvage un morceau. Mais si de toute façon, tout ça, tu vas le faire monter sur le misbéach, alors fais-le monter tel quel, pourquoi tu vas te mettre à le découper en petits morceaux ? Vekulan Bekazai, Vekulan Kazetim, et là, la Mishnah revient donc sur le début de la Mishnah, qui me dit... Tous les morceaux de Petita, il faut qu'ils fassent un morceau de Zaït, comme ce qu'on a expliqué, si on reste avec le Pesach du Tiferet Israël, comme le Gaon. Alors, ça veut dire qu'en fait, même si je t'ai dit de plier en 1, en 2 et puis en 4, continue jusqu'à ce qu'il va te rester plein de petits morceaux qui vont te faire plein de Zaïtim. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine d'Atzlacha Kol Tov, Salam.